Ouais. Bon, pendant que je mange, on va regarder un truc. On va se regarder un petit 8000 grammes pour changer. On a une enquête et canular pour la 5G, ça me va, c'est parfait. On l'a pas vu. Pour ceux qui connaissent pas 1000 grammes, ses vidéos sont folles, sa chaîne est folle, il est fou, c'est incroyable. C'est donc ça. Merde. Bah merde, c'est passé quoi? Pourquoi la vie ne veut pas que je fasse un CTRL-C, CTRL-V? Voilà. Voilà. Bon, régalez-vous, hein. Vraiment, les vidéos, c'est fou, tout ça, quoi. Et rien de tel qu'une petite vidéo enquête et canular de d'arnaque pour ingérer des spaghettis, bien sûr. Nourriture de roi. Ok. Il faut le son, il faut l'image. Ça arrive fort là. C'est imminent. J'ai pas là. Voilà. Voilà, on a l'image et tout. C'est fou ici. Complètement la technologie en fait. Bon app, je mange. Merde. Connaissez-vous la clé USB 5G BioShield? C'est une clé qui embarque un puissant catalyseur nanocouche holographique, capable de réduire les effets néfastes de la 5G et des ondes en général. Branchée sur un PC, la clé USB crée une bulle de protection autour de votre foyer, mais vous pouvez aussi tout simplement la trimballer dans votre poche pour bénéficier d'une petite bulle de protection portable. Voilà, son prix 365 €. Bon, vous me direz que ça fait un peu cher, surtout quand on désosse le truc et qu'on constate que c'est une simple clé USB de 128 mégas, vendu 5 € sur internet et sur laquelle on a simplement collé un autocollant. Vous l'avez compris, car vous êtes intelligent. On va parler aujourd'hui du gros marché qui se développe autour de la peur des ondes. 3 millions de Français disent aujourd'hui être électrosensibles, c'est-à-dire intolérants aux ondes électromagnétiques, à mon avis, c'est plus toi, mec. Particulièrement aux radiofréquences. Le Wi-Fi, la 5G, le téléphone portable, le Bluetooth, les circuits électriques, etc. seraient la cause d'une longue liste de symptômes. Maux de tête, fatigue, insomnie, stress, palpitations, etc. En réalité, on a déjà une quarantaine d'études sous la main où les scientifiques ont testé la capacité des personnes électrosensibles à détecter la présence d'un champ électromagnétique. Concrètement, on va demander par exemple à 50 personnes qui se disent électrosensibles de dire si une borne Wi-Fi présente dans la pièce est allumée ou éteinte, c'est pas en des fonction joguettes. notamment de l'apparition de leurs symptômes. Puis on demande la même chose au groupe contrôle de 50 personnes lambda, et les résultats sont sans appel, les électrosensibles ne font pas mieux que le groupe contrôle. Donc ils ne font pas mieux que le hasard. Donc, et ça fait beaucoup de donc, leurs symptômes qui sont réels ne sont pas causés par les ondes électromagnétiques, car ils sont incapables de les détecter. Mais peu importe, à toute demande correspond une offre. On voit donc fleurir de plus en plus un énorme marché autour des appareils de protection anti-ondes. Pendant Incroyable. À 149 €, patch anti-ondes à 165 €, vague métallique de bien-être qui harmonise les ondes électromagnétiques à 2500 €, bracelet anti-ondes en liège à 65 €, petit appareil qui harmonise la géopathie du brouillard d'ondes pour 280 €. Vous en voulez encore? Allez, bloc de pierre anti-ondes à 98 €. Mais apparemment, il faut mettre une pierre à chaque coin de pièce. Donc en fait, ça fait 400 € de pierre anti-ondes par pièce. Canon oh, le mec, il énergétique a ramassé des protège cailloux. les ondes pour 190 €. Cagoule intégrale anti-ondes à 125 €. Voile de visage anti-ondes à 79 €. Mais quoi? Bustier anti-ondes à 185 €. Boxer anti-ondes à 159 € l'unité. Chaussettes pour se mettre à la terre. Mais non. Bref, beaucoup de sites marchands se sont engouffrés dans la brèche. On trouve donc aujourd'hui une tonne de produits pour tous les goûts.
joue à tous les prix et pour toutes les situations. Vous partez en week-end chez votre frère qui ne se protège pas des ondes? Pas de souci, emportez avec vous ce baldaquin de voyage qui vous protégera des ondes pour 1100 euros. D'ailleurs, comme je suis un peu taquin, oh, la j'ai envoyé un petit à 1200 mail balles. qui vend ce baldaquin. Je voulais savoir si je devais également acheter un sac de couchage anti-ondes pour être sûr d'être bien protégé, ou si le baldaquin en lui-même suffirait à me protéger. Et oui, parce qu'ils vendent aussi un sac de couchage anti-ondes. Réponse du SAV, le baldaquin de voyage devrait suffire à vous protéger des ondes. Il serait par contre judicieux de prévoir un dessous de lit anti-ondes afin de compléter la protection offerte par le baldaquin en vous protégeant des ondes qui pourraient venir de dessous. Le dessous de lit à 320 euros, je l'avais pas vu venir celui-là. Bon, à la base, si je me suis intéressé à ce sujet, c'est en voyant passer cette publicité Facebook. Ce site propose une pyramide orgonite qui protégerait justement des ondes électromagnétiques grâce aux pierres qui la composent. J'envoie donc un petit mail au SAV pour dire que je suis intéressé par la pyramide en question. Et je demande, est-ce que cela a été prouvé avec des tests scientifiques ? Et voilà la réponse. Je vous mets notre article de blog à propos des orgonites. Après, l'idéal serait que vous faisiez vos propres recherches. Les scientifiques ont encore du mal avec l'énergie, ce que l'on ne peut pas voir ou prouver. Belle journée, namasté. L'idéal serait que vous faisiez vos propres recherches. C'est véridique, hein, je n'ai pas réécrit le mail pour me moquer ou quoi que ce soit, hein, j'y peux MDR, rien. Hier, j'ai fait un stage. Les scientifiques ont encore du mal avec l'énergie. Ah d'accord, petite dédicace au CERN. Il fait ses propres recherches. Oh, par contre, les gars, pourquoi la catégorie, elle a pas changé ? À l'aide. Ok, c'est my bad. Bien. Désolé. Désolé, j'ai pas changé la catégorie et le truc. Bon, le gaming, c'est après que j'ai mangé et qu'on ait fait le réactionnage, bien sûr. Cherche. Bon, en fait, les scientifiques n'ont pas spécialement de mal avec tout ça. Hein. La lithothérapie a déjà été testée avec des protocoles scientifiques sérieux, comme par exemple dans l'étude du psychologue Chris French. Il a demandé à 80 personnes d'évaluer leur niveau de croyance dans différents phénomènes paranormaux. Puis, il a donné un cristal de quartz à chaque participant et leur a demandé de méditer avec cette pierre, puis de rendre compte de leurs ressentis. Résultat, ce sont les personnes qui croyaient le plus au paranormal qui ont le plus ressenti les effets de la méditation avec le cristal, même lorsque le cristal était en réalité un simple morceau de verre. Conclusion, les pierres ne dégagent pas de mystérieuses énergies inconnues des scientifiques, l'unique effet que l'on a pu mesurer, c'est un effet placebo. Bon, revenons à nos moutons. Les pierres ne représentent au final pas grand-chose dans le business anti-ondes. Le gros du marché est tenu par des dispositifs technologiques mystérieux, qui paraissent souvent complexes, qui invoquent la physique quantique, la biorésonance, la biophysique et j'en passe. Jetons par exemple un œil au produit MOM, conçu et commercialisé par Uber. Uber maîtrise ce qu'il appelle les ondes scalaires, grâce auxquelles il parvient à transformer toutes les ondes nocives en ondes bénéfiques pour notre corps. Incroyable. On va effectivement inverser beaucoup de choses dans cette émission en parlant d'ondes nocives qu'on passe en ondes positives grâce à vos recherches. Ah ! Bah oui, on transforme le mal en bien. Que peut-on faire de mieux ? Transformer le Merci mal de votre indulgence, ça m'a permis de me nourrir pour ainsi continuer à vivre. 15 euros, au correcteur de réseau électrique à 300 euros, et grâce également à ce gros cube à 1200 grâce euros. Grâce à ces spaghettis réchauffés dans un Tupperware, je transforme les méchantes ondes en gentilles ondes. Je peux continuer à vivre. Uber s'est même risqué à mettre en image une expérience qui prouverait l'efficacité de ses produits. Bon, le protocole est assez particulier. Uber se rend au pied d'une antenne relais, accompagné de Claude et Robert, deux radiesthésistes. Là, il mesure avec des pendules la quantité d'ondes nocives émises par les antennes. Moins 40 000 en unité bovis. Moins 40 000 bovis. Ensuite, Uber c'est pose quoi, sa plaque anti-ondes à 300 euros et tous ensemble, ils refont des mesures. Et là... Et pète le feu dans l'autre sens. Combien ? 29 000. En plus ? Ouais. Ah, t'as inversé, quoi. Putain. Le rayonnement est inversé. Ce qui était négatif s'est transformé en positif. Donc il n'y a plus d'ondes. Non mais imagine la scène, et hein. Voilà, on est passé de moins 40 000... Imagine la scène, t'es à côté de ces mecs, t'es dans la forêt, t'es à côté du, juste d'une antenne de... Tu sais, une antenne relais de communication, tu vois. Les man, ils dégainent leur pendule à 2500 balles en quartz, là, pour faire leur bidouille. Tu fais, ouais mec, ça c'est 400 bovis au moins.
1000 bobis à plus 30 000 bobis en Vas-y, quelques bro. secondes. Magie de la technologie d'Uber. Mais c'est pas terminé, parce que Uber pratique aussi le dessin intuitif. Il Carrément. ressent les ondes qui émanent des choses et des objets et il les dessine intuitivement. Et là, pour moi, je joue toute seule, c'est un peu de l'écriture automatique. C'est pas moi, moi je. Voilà, donc c'est pas vraiment lui qui dessine, hein. Sa main est guidée par une force. Et donc voici par exemple les belles ondes harmonieuses qui ressortent d'une carotte. Et là, ce sont les ondes chaotiques qui ressortent d'un compteur Linky. Et donc ça, c'est le dessin qu'Hubert avait réalisé avant la pose de son appareil MOM. On voit bien que l'antenne relais émet des ondes vraiment chaotiques. Mais ouais, on voit. Pour déposer sa plaque magique, voilà ce que ça donne. Oh, les bons On a ronds, donc bravo! Une double confirmation que les appareils MOM marchent, bravo! Les mesures radiesthésiques au pendule et les Il a dessins fait des intuitifs. Beaux cercles. Ça, vous n'êtes pas convaincu. Bon, ok, on va pas se mentir, ça ne paraît pas vraiment très scientifique tout ça. Mais la plupart des appareils anti-ondes sont vendus avec de réelles prétentions scientifiques. Pas de la radiesthésie ou du dessin intuitif. Non, non, des études publiées dans des revues, des tests réalisés en laboratoire indépendant, etc. Les fameux. Alors voilà un pendentif anti-ondes qui apaise votre système nerveux en créant une résonance avec le champ magnétique planétaire. Le site revendeur met en avant une certification 330 de lamelles qui garantirait scientifiquement l'efficacité du pendentif anti-ondes. On nous dit donc que des tests ont été réalisés par l'autorité scientifique reconnue, dirigée par le docteur Medinger, et qui est composée de scientifiques mondialement reconnus en électrophysique, biophysique, médecine de l'environnement et en génétique des ondes. L'IREC, qui est donc l'Institut International de Recherche sur la Compatibilité Électromagnétique, a donc rédigé un rapport de 29 pages pour attester l'efficacité de ce pendentif. Je fais Oula. Une rapide recherche sur cet institut et... Ah tiens, en fait, c'est une société privée, basée à la fois en Hongrie et en Israël. On est déjà très loin d'une autorité scientifique reconnue. Bon, le rapport a été écrit par le docteur Medinger, c'est le seul et unique Oula. Auteur du rapport, pas de scientifique mondialement reconnu à l'horizon, donc. Si on fait quelques recherches sur ce docteur Medinger, oui, on mais apprend bonne que bouille. C'est un chimiste qui a été viré de son emploi dans l'administration de la ville de Linz parce qu'il était impliqué dans la vente des puces Gabriel. Quoi, ça vous dit rien, les puces Gabriel, ce sont les puces qui étaient censées réduire l'exposition aux ondes du téléphone portable et qui avaient au final comme seul effet d'augmenter les émissions d'ondes produites par le téléphone. Non, bref, vraiment donc, le docteur Medinger était impliqué dans ce commerce Oh, le mec douteux, était chaud. Il a perdu son emploi et il a fondé l'IREC, cette société qui se fait passer oh, le par mec était chaud. Officiel et qui est payée par des entreprises pour produire des pseudo-rapports censés garantir l'efficacité de toutes sortes de produits comme ce pendentif anti-ondes, comme des ampoules énergétiques, des convertisseurs climatiques, des filets en plastique qui réduisent les distorsions du champ magnétique naturel. Tous les rapports que publie le docteur Medinger concluent à l'efficacité de ces produits, évidemment, et tout ça sert ensuite d'arguments publicitaires sur les sites des revendeurs. Bref, nice. On était parti d'une autorité scientifique compétente et on arrive à une société privée dont l'unique but est de bidonner des rapports sur des produits charlatanesques. Voilà un oscillateur magnétique de compensation, appelé aussi CMO. Dis-moi que ça se met sur la tête. Donc c'est un cône de compensation qui génère une bulle de protection sur 16 mètres de diamètre. En gros, ça protège toute une maison des ondes électromagnétiques, et apparemment c'est prouvé scientifiquement. Les produits CMO s'appuient sur 10 années d'expérimentation biologique oh, et je voulais... réalisées par des Je voulais experts voir quelqu'un avec ça sur la tête, pour putain l'hôpital Bruce, le CNRS, etc. L'efficacité de ces produits est confirmée dans des publications scientifiques internationales, et blablabla. Et quand je contacte le SAV du site revendeur, en me faisant passer pour un acheteur potentiel, on me répond par mail. Vous trouverez en pièce jointe un dossier scientifique synthèse, réalisé par le Centre International de Recherche en Biophysique Électromagnétique. INSERM, CNRS, Centre International de Recherche en Biophysique Électromagnétique. Franchement, ça en jette. Ça inspire la confiance et la rigueur scientifique. Et donc, voilà le dossier scientifique. Il est là, il fait 35 pages. Je décide quand même de vérifier ce que c'est que ce Centre International de Recherche en Biophysique Électromagnétique. Allez, dis-nous tout. Alors... Ah d'accord, c'est une association, loi 1901, basée à Chalon-sur-Saône en Bourgogne. Voilà, il est là, le Centre International de Recherche. C'est chelou. Alors, les auteurs du dossier maintenant. Avec ça. Ah,
Donc les auteurs du dossier scientifique sont les inventeurs du cône CMO, qu'ils vendent d'ailleurs eux-mêmes sur leur site. Ok, donc les mecs inventent cet objet censé protéger des ondes, puis ils le commercialisent et rédigent eux-mêmes sur le cône. Au calme, il s'assoit dessus, frérot. L'efficacité du truc via une association basée à Chalon-sur-Saône qui se fait passer pour un centre international de recherche en biophysique électromagnétique. C'est du génie. Allez, encore un dernier exemple. Alors ça, c'est un système qui se branche sur une prise et qui utiliserait le circuit électrique de votre maison pour créer un champ harmonieux protecteur. Bon, selon la taille de votre habitation, ça coûte entre 1000 et 3600 euros. Comment ça marche? Alors, les appareils libèrent votre environnement des ondes informatives pathogènes au moyen d'un... 3000... Non mais, you wanna see a magic trick? Destructive. L'environnement est rétabli dans son domaine initial, prévu par la nature, par des transformations énergétiques ciblées de Quanta. Ah ouais, d'accord. C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Mais attention, c'est encore une fois prouvé scientifiquement. Voilà, on a un beau label d'arch scientifique. Efficacité prouvée, protège les cellules contre la radiation à haute fréquence. C'est ce que confirme une étude réalisée à l'Institut des systèmes d'essais de biologie cellulaire. Et bien sûr, j'ai eu envie d'aller voir ce que c'était que cette étude. Et si on fouille un peu, on la trouve rapidement. La voici, c'est une étude qui fait 6 pages en gros et qui a été publiée dans une revue indienne de médecine alternative. Une revue référencée nulle part et qui demande aux auteurs de payer la somme de 500 euros pour être publiée. L'étude a été menée par Peter Darch, un biochimiste à la retraite, et par Timo Dosho. Dosho, la première fois que j'ai lu ce nom, j'ai eu une petite impression de déjà-vu. J'avais déjà surfé un petit peu sur le site de l'entreprise qui commercialise ce système anti-ondes, alors je suis retourné voir ça de plus près. Et en effet, l'inventeur de ce système anti-ondes est un certain Winfried Dosho, un homonyme de Timo Dosho, qui a donc rédigé l'étude en question. Bon, il porte le même nom de famille, c'est peut-être le hasard. J'ai quand même fouillé un petit peu plus sur le web allemand et je suis tombé sur cette photo. Winfried Dosho mit seinem Sohn Timo Dosho mit seinem Sohn, qui veut dire en allemand avec son fils. Donc l'étude scientifique qui prouverait l'efficacité de ce système anti-ondes a été rédigée par le fils de l'inventeur du système anti-ondes. Incroyable. En fait, quand on fouille un peu sur le site de l'entreprise, on se rend compte que le fils d'Osho, celui qui a écrit l'étude, en fait il fait carrément partie de l'entreprise qui vend cet appareil. Heureusement qu'il était bien spécifié dans l'étude que les auteurs n'avaient pas de conflit d'intérêt. Ah, c'est vrai que là il y a vraiment zéro conflit d'intérêt. Ça mérite un résumé tout ça parce que c'est fabuleux quand même. La caution scientifique de ce système qui protège des ondes est une étude publiée dans une revue de médecine alternative référencée nulle part, coécrite par le fils du concepteur de l'appareil et qui fait carrément partie de l'entreprise qui commercialise l'appareil. Voilà. L'ironie assez dramatique de l'histoire, en tout cas, c'est que le discours des électrosensibles s'accompagne souvent d'un discours sur la corruption généralisée de la science et des agences sanitaires, qui serait gangrénée par les conflits d'intérêts. Mais en termes de magouilles et de conflits d'intérêts, on voit justement que le business anti-ondes est au top du top. Ah, on passe au truc croustillant. J'inventais mon appareil anti-ondes et que je le proposais au site revendeur. Ça se tente, non? Bon, voyons un peu ce que j'ai chez moi qui pourrait faire l'affaire, qui pourrait se faire passer pour un système anti-ondes. Non, pas ça, non, bof, pas ça. Ah tiens, pas mal ce bougeoir. Il a une forme sympa. Bon, j'enlève le verre et à mon avis, il faut que je trouve un truc pour mettre dedans. Bah tiens, cette petite boîte en bois, fabriquée par mon père. Dédicace, papa. Si je pose cette boîte dans le bougeoir, ouais, ça donne un truc marrant. J'aime bien. Bon, j'ai pas mieux, donc on va partir là-dessus. Allez, petite séance photo avec mon magnifique appareil, histoire de le mettre en beauté. Je suis en shooting, là. Je suis en shooting avec mon modèle. Maintenant, il faut faire une sorte de prospectus de présentation et il faut inventer le mécanisme, la technologie qui protège des ondes. Alors voilà, on est sur Photoshop. J'ai déjà créé la base graphique du prospectus. Et maintenant, il faut trouver le nom de mon appareil. Le quoi? Le bio quelque chose? Allez, le bio compensateur, vas-y. Compensateur, ça c'est un peu logique. Allez, le bio compensateur géodésique. Oh, putain. La forme du bougeoir, là, elle me rappelle un peu les dômes géodésiques de jardin. La géométrie, en plus, ça sonne bien, ça fait un peu New Age, ça fait un peu New Age technologique. La boîte en bois dans le bougeoir sera donc un bio compensateur géodésique. Moi, j'aime bien. Le biocompensateur géodésique vous protège des ondes électromagnétiques artificielles. Alors, le mécanisme de protection. La structure géodésique en cuivre accueille en son sein... Ça ressemble un peu à un œuf. Un œuf scalaire?
Un œuf à scaler. En plus, la boîte, elle s'ouvre. Oh donc, putain, comment tu dois triper à monter ça, là ? L'eau, c'est magique. L'eau, ça marche tout le temps. Donc, il faut que le bois soit imperméabilisé. Donc, un œuf scalaire en bois imperméabilisé, oh tourné à la main. Et ensuite, à sa vidéo, quelqu'un lui a volé le brevet, selon la mire. L'œuf scalaire d'eau de source. Quelqu'un lui a volé le brevet. Notre technologie. La géodésie de la structure. J'écris n'importe quoi. Comment ça doit être incroyable de créer de toutes pièces de bordel là. Ah, tu dois te triper, les ondes électromagnétiques artificielles dans un rayon de 10 mètres. De 15 mètres, allez. Dans un rayon de 15 mètres autour du biocompensateur. Ça vous paraît fiable ou pas? Bon voilà, mon prospectus de présentation est fait. Il me faut maintenant un petit dossier scientifique. Bon, petite remarque importante, je ne cherche évidemment pas à faire des faux documents parfaits. Au contraire, hein. Comme pour mon faux document sur le confinement, je fais des trucs très très grossiers. C'est ça le but. Hein. Donc allez hop, un petit dossier scientifique. Bon là, ça va vraiment être encore plus n'importe quoi. Je vais pas me prendre la tête. En double aveugle, le groupe testé Vérum 1 a été mis à l'épreuve suivant le procédé d'utilisation classique, dispositif au centre d'un bâtiment de 150 mètres carrés, œuf scalaire rempli d'eau de source classique, routeur Wi-Fi, compteur Linky et téléphonie mobile actif dans un rayon de 15 mètres, mesure effectuée à partir d'un TeslaMètre 0540 et du Voltcraft VC960. Ça ne veut strictement rien dire. J'invente des mots. Je prends des images d'autres dossiers scientifiques oh, au hasard trouvés sur le net, au pif. Je colle cette image. Je sais même pas ce que c'est. Il n'y a même pas de légende sur ce truc. C'est parfait. Je colle Allez. Aussi ce truc-là. Aucune idée de ce que ça représente. Voilà, j'écris n'importe quoi. Je fais comme si la tache jaune, c'était le rayon d'action du biocompensateur. Allez hop, un test sanguin bidon. Quelques graphiques pour montrer que mon biocompensateur géodésique améliore nettement la santé. Et une bibliographie chopée sur un autre article. Voilà, c'est laid, ça ne veut rien dire, il n'y a aucune homogénéité. Bref, ça pue l'arnaque à 600 km, c'est très bien comme ça. Je vous mets le prospectus et le dossier scientifique en description si vous souhaitez les regarder de plus près. C'est pas super intéressant, mais bon. Et voilà, c'est le moment. Maintenant, il faut contacter et démarcher tous ces sites qui vendent ces appareils anti-ondes. Et je profite de ce petit suspense pour vous dire que ma vidéo est sponsorisée par l'association Nos Amis Les Ondes, que cette vidéo est sponsorisée par vous, en fait, via le Tipeee que j'ai ouvert. Si vous avez envie de m'aider à produire ces vidéos, c'est là-bas que ça se passe. Alors, il faut maintenant écrire le mail tip que je vais envoyer à une dizaine de sites revendeurs. Bonjour, je suis Thomas Hernamé, ingénieur en génie biologique. Je travaille actuellement en tant qu'indépendant. En coordination avec des thérapeutes, nous avons développé un biocompensateur géodésique pour répondre au drame de l'électrosensibilité qui ne fait qu'exploser dans notre pays. Nous avons associé le magnétisme des structures géodésiques à la résonance des molécules d'eau lorsqu'elles sont activées dans un œuf scalaire. Oh, ça me termine. Sur la masse holographique, pardon. Voici en pièce jointe une présentation très courte de notre biocompensateur géodésique. Nous recherchons activement un revendeur. Voilà pourquoi je me permets de vous contacter. Tout est entièrement fabriqué en France. Cela vous intéresse-t-il ? Thomas H. Vivre en harmonie avec les ondes. Allez hop, on envoie ça à une dizaine de sites revendeurs et on voit ce que ça donne. Et très rapidement, j'ai des réponses. Votre recherche est intéressante. Votre produit nous paraît intéressant. Oui, votre produit nous intéresse. Des réponses très positives en majorité. Certains veulent tester le produit tout de suite et me demandent de leur vendre un ou plusieurs appareils de test. Je vais du coup vous en prendre deux. Serait intéressé pour le voir et le tester. Le bip là, c'est un nom très connu du milieu du bien-être sur YouTube. Et quand j'en demande plus sur ces tests qu'ils veulent mener, pour savoir quel protocole de test ils vont mettre en place, j'ai ce genre de réponse. Aucun protocole, juste le ressenti. La fameuse fiabilité du ressenti. Ah, let's go. Ils me posent des questions sur mon dossier scientifique, ils veulent savoir à quoi correspond précisément telle image ou tel tableau, et donc voilà le genre de propos que je leur réponds. Les quatre tableaux sont des tableaux d'échelle d'onde scalaire. Ils testent la densité volumique d'énergie électromagnétique, etc., etc. Donc je réponds à chaque fois du charabia 100% bullshit, mais ça convainc car certains sites me demandent parfois mes conditions pour avoir l'exclusivité sur la vente de mon biocompensateur géodésique. À quoi je réponds généralement qu'il faut commander une quinzaine d'appareils.
Ok, pour 15 pièces à 80 euros. Si, si, ce site était prêt à faire une commande de 1200 euros pour avoir l'exclu sur mon appareil bidon, à condition de pouvoir juste le tester. J'ai aussi une grosse marketplace de produits bio qui m'a répondu favorablement. Là, il fallait juste que je prenne un abonnement de vendeur sur leur site et c'était tout. Je leur demande quand même, faut-il que je vous envoie un échantillon pour que vous puissiez tester le produit ? Réponse, non, pas besoin. Oh, mais c'est trop grave. Sur leur site, ils mettent en avant une charte de sélection des produits et précise bien les produits proposés sur .com sont soigneusement sélectionnés. Ah oui, grosse sélection. Je demande également à certains sites de juger eux-mêmes du prix de mon produit. Et voilà le résultat. J'estime que ce produit pourrait être proposé au public à un prix entre 159 et 179 euros TTC. Ce qui le placerait bien par rapport à des produits concurrents. On parle toujours de mon bougeoir à 5 euros accompagné de sa boîte en bois. Hein. Et je reçois aussi quelques réponses tout de suite très très enthousiastes. Bravo pour cet objet, c'est une idée géniale. C'est tout simplement génial, bravo. Nous sommes super enthousiastes de pouvoir proposer votre biocompensateur géodésique. J'essaye de pousser un peu le truc et je propose aux plus enthousiastes de mettre l'article en ligne sur leur site, sur une page d'essai non publiée, juste pour voir comment le site met en valeur mon objet. En direct depuis ma messagerie. Mais non, non, ils l'ont pas fait, ils ont pas fait ça. Ils ont pas fait ça. Voilà Thomas, une présentation de votre produit. Mais non, oh non, le biocompensateur géodésique, 110 euros au lieu de 125, 12% de réduction. Tu m'étonnes qu'on lui a tiré le truc et que ça a été breveté et tout. Innovation française développée par un ingénieur en génie biologique et en coordination avec des thérapeutes. Oh mais c'est pas possible. Attends. Il est pas en ligne quand même. C'est une page d'essai. Attends, il est en ligne. Compensateur. Non, suggestion. Il est réellement en ligne sur le site, mais non, il est réellement en ligne. Ça y est, les gens peuvent l'acheter. Les gens peuvent acheter mon biocompensateur géodésique. Bon, évidemment, là, je filme ça sur le vif, à l'arrache. Je viens de recevoir le mail à l'instant, je prends pas mon micro que dalle. Donc évidemment, quand la vidéo va sortir, l'article sera plus en ligne. Hein. Je vais pas pousser le truc jusqu'au bout non plus. Hein, parce que après, on va me réclamer de l'argent. j'ai envie de cliquer, franchement, j'ai envie d'acheter. Hein. J'ai envie d'acheter. Allez, j'en prends 10. Bim. Putain, et ça marche! Bon, du coup, je dis au site qu'il ne faut pas que l'article soit en ligne, car les autres revendeurs que je démarche pourraient vouloir l'exclusivité. Et là, j'en reviens pas, ça marche. Hein. Non, mais ça, sérieusement, je dis d'enlever le produit, et en fait, maintenant, il est en une du site. En une du site, nouveauté, c'est même le premier produit qui apparaît, quoi. Hop, ils ont baissé le prix, je sais pas pourquoi, ils ont mis une réduction, moins 1%. 100 euros, 99 euros, le biocompensateur géodésique avec le petit R de la marque déposée. Ça va loin, hein. Efficacité de ce dispositif scientifiquement prouvée. Ouais, tu parles. Ouais. Finalement, un jour et demi plus tard, le site me répond et retire l'article. C'est moins malaisant que la meuf de TikTok avec les trucs, les trucs sonores, là. Présenté comme un objet. Là, c'était le vrai malaise, là. Pour conclure, je vais vous proposer un petit théorème que je vais appeler prétentieusement le théorème de la 5G milligramme. Le niveau de preuve scientifique exigé. Bah c'était horrible, pour il lui avait fait un canular, il lui avait fait un canular et c'était vocal et genre elle répondait, il avait fait 3 sons en restant appuyé sur une touche de synthé. Et la meuf elle lui répond, elle lui fait "Ah ouais, j'ai ressenti comme, je sais plus, elle prend des animaux totems pour qualifier son ressenti, tu vois, et c'était tellement drôle, genre, tellement drôle, et en même temps tellement malaisant, parce que on se demandait si elle y croyait à fond, tu vois, électromagnétiques, si elle était dans la douille, elle avait l'air d'y croire. Au niveau de preuves scientifiques exigées pour valider la pertinence des objets censés protéger des ondes. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bon, incroyable, hein. Celui-là, je l'avais pas vu. Celui-là, il a l'air de dater un peu. Oh, ça m'a permis de digérer mes spaghettis en toute sérénité, hein. Ah ouais, 2 ans la vidéo, hein.
2 ans la vidéo, hein. Aïe aïe aïe. Moi je suis sûr que aujourd'hui tu peux en refaire, même récemment. Avec ce qu'il nous a fait là. Incroyable en vrai, hein. Bravo à lui, hein. GG, hein. GG, hein. Le biocompensateur, hein. T'entends ça, hein. Moi je le veux, hein. Moi je le veux, ce biocompensateur, quoi. Bon allez frérot, place au gaming là, on va découvrir le petit Ghostwire Tokyo là. Bam, bam, bam. J'avais pas changé la catégorie au début du React. Bam, 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 bam. Bon, je sais pas du tout ce que ça peut donner, si c'est bien, tout ça, à l'aide. Attends, y'a le sub music qui marche plus. Donc on verra bien les frérots. Bam, bam, bam. Ah ouais, y'avait une erreur de calcul sur les prix. Tu sais comment c'est facile de se faire genre 1000 balles. Ouais. Ouais, mais après, est-ce que tu peux te regarder? En fait, est-ce que les 1000 balles valent le coup d'œil dans le miroir le matin, tu vois? Tu vois ou pas? Je suis pas sûr, hein. Moi, je préfère me regarder dans le miroir et faire... Ça va, tu vois. Franchement, si un jour je suis en galère et que je peux plus manger, j'y penserai. En vrai, tu vas peut-être faire du bise sur le dos de gens qui peuvent pas manger non plus et qui sont désespérés, qui vont acheter ton truc en pensant que ça va améliorer leur vie, tu vois. Et du coup, c'est terrible. Entre ça et voler, en vrai, ça dépend qui tu voles, hein. Après, il y a moult manières de se faire du blé si t'as vraiment plus le choix, mais... Mais tranquille, là, on est sur Twitch. Peinard. Mais il y a plein de moyens, je te jure. Hein. Y a plein de moyens. Si t'as vraiment plus le choice et que tu peux pas faire autrement, plein de trucs, quoi. Plein de trucs qui se vendent bien. Jamais je ferai ça, perso. Faire la vanne, peut-être. Faire la vanne, oui. Faire la vanne, oui, bien sûr. Mais voilà, quoi. Bon, faites attention à vous et à vos sous parce que Choquette, elle va vendre des biocompensateurs, là. Mais j'avoue, en fait, moi, c'est plus la prise... Je me dis, regarde, j'aimerais bien savoir ce que ça leur rapporte parce que, tu vois, la prise anti-onde, là, plus la surface de ta maison est grande, plus ça coûte cher. Alors que c'est le même truc, tu vois. Genre, là, il y en avait une, t'avais une maison de 150 mètres carrés, c'était 3200 balles, tu vois. Est-ce qu'ils en vendent vraiment beaucoup ou ils se disent tout simplement plus c'est gros, plus ça passe et vaut mieux que la douille elle passe une fois et voilà, le gars reviendra plus, on la bébarre, ciao, tu vois. Tu vois ou pas, hein. Genre c'est quand même, c'est des prix. Il y a quand même des prix, bon, les petites broles à 110 balles, ok, tu vois, mais la prise anti-onde à 3200 euros, frérot, merde, tu vois, merde. En vrai, tu revends une fois, tu t'es fait deux SMIC, t'es yamb. Mais bon... Après, tu revends peut-être ça à quelqu'un de... Voilà, quoi. De complètement crédule et tout. Non, je pourrais app, en vrai. Hein. En vrai, je pourrais app. Pas estampillé, en vrai. En vrai, ça pourrait se faire, mais pas estampillé scientifiquement avec des dossiers bidons à l'appui et tout, parce que là, ça va trop loin, tu vois. Alors, c'est marqué en gros, en rouge, testé, scientifiquement approuvé et tout... Vas-y mec, là la douille ça va trop loin, tu vois. Ça va trop loin. Ça et comme les trucs qui touchent aux maladies, aux trucs réels, tu vois. Les pseudo-bails guérisseurs de cancer, tu vois. Ça c'est des trucs que je peux pas, tu vois. Enfin, ça tombe sous le sens, quoi. Merde. Bon là c'est un truc anti-onde, c'est vraiment pour trois blaireaux qui ont des problèmes, quoi. Mais ouais, en fait...
J'aimerais bien avoir le chiffre d'affaires, tu vois. Savoir ce que les gens qui enfin ce que ces petits vendeurs là sur le net ça leur